Romains 5 et au verset 17. Romains chapitre 9, verset 10. Nous connaissons ce verset que nous avons lu et relu. Il dit ici, par l'offense d'un seul homme, la mort a régné par cet homme-là, par lui seul. Il dit maintenant, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Jésus-Christ n'a pas régné dans la vie. Il est venu pour sauver. Et il nous donne à nous de régner dans la vie, nous qui sommes sauvés. Nous ne sommes pas des sauveurs. Nous sommes des sauvés. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous. Cela est un don de Dieu. Mais maintenant, comme nous sommes sauvés, nous devons régner. Et je vais te dire tout de suite, le mot régner là, qu'est-ce que c'est? Nous devons régner dans cette vie-là. Par Jésus-Christ. Nous devons régner dans cette vie par Jésus-Christ. Donc, régner dans cette vie-là, c'est plus qu'avoir, je vais te donner quelques éléments naturels que tu connais, c'est plus qu'avoir un travail rémunéré, c'est plus qu'avoir un poste dans une organisation, c'est plus que ça. Le mot régner ici, là, n'a rien à voir avec le travail et ton salaire. Ça n'a rien à voir. Donc, et tu dois bien comprendre ça. Parce que si tu comprends ça, le travail, tu as un salaire. Tu as une maison. Tu as une famille. Tu vas à la retraite. Et tu disparais. Là, tu n'as pas rayé. Tu as rayé sur quoi? Tout le monde, même le païen, est comme ça. Et des choses que c'est pourquoi la grâce cette année on a vu là certains on a fini les certains n'ont pas compris, ils ont cru que bon faveur grâce, non c'est pas, les gens n'ont pas saisi ce que j'ai dit exactement ce que j'ai dit parce que là, le mot faveur est devenu un mot à la mode. Donc, par exemple, ceux qui croyaient que c'était ça déjà, ils sont découragés. Ah, si c'est pas ça là, être ministre là. Si c'est pas ça régner là. Pas ça, tu me décourages là. Pas ça, même moi, c'est ça que moi je cherchais. On dit régner dans cette vie. Mais je vais te montrer que Dieu peut te faire régner dans un travail parce que tu n'es pas qualifié naturellement. Ce que j'ai dit tout de suite là, ça c'est le travail venant des diplômes. Mais quand on va dire que quelqu'un règne à rien dans son travail là, c'est quelqu'un qui n'a aucune qualification. Qui est parti le prendre par une faveur spéciale, faveur préférentielle. Et l'a fait devenir chef, tête dans ce domaine-là. De telle manière que même les diplômés dans ce domaine-là, ah! Mais toi là, d'où tu viens? Ça, à la rigueur, on peut dire régner, le mot régner est adéquat à cette personne-là. Sinon, si tu es ingénieur agronome, tu es ingénieur agronome. Là, tu es ingénieur agronome. Toutes les religions ont leur ingénieur agronome. Ingénieur agronome. Il ne règne pas. Ce n'est pas ça la Bible. Je vais aller pour que tu comprennes. Il y a une subtilité dans les mots bibliques.
et dans les mots spirituels que nous devons bien comprendre. Parce que nous devons régner donc dans cette vie-là par la grâce et le don de la justice. Mon frère, je vais te donner quelques exemples déjà. Bon, tu es en train d'avancer dans la vie. Si on prend la vie naturelle, je prends même la vie naturelle. Je laisse tomber la vie spirituelle, la vie naturelle. Et brusquement, tu rencontres des circonstances qui dépassent ta capacité. Tu sais que ces circonstances-là, tu ne sais pas comment tu peux t'en sortir. En ce moment-là, par donc la grâce, ne le hormon, l'abondance de la grâce, le hormon c'est quelle fois qui est sur toi, cette faveur divine là, moyennam le hormon zal, la sagesse, moyennam yama, et le Saint Esprit, la sisongo, les trois rassemblés qui sont en toi là, obtabantikdam befo poron, au moment où tes camarades se battent et ils échouent là. Brusquement, il te voit toi sortir de ces circonstances-là sans problème. Mais il dit, mais où, mais quel marabout il a? Mais qui est ton féticheur? Faut-il savoir d'abord? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que cet homme ou cette femme-là, ayant su que les circonstances sont terribles, il s'est assis, il a fait appel simplement à la sagesse de Dieu, la faveur de Dieu. Il a fait appel à la sagesse et la faveur de Dieu. Donc tu comprends. Ça, c'est sur le plan naturel que je te dis. Autre élément de régner dans cette vie, on peut régner par l'influence. Certains appellent ça le leadership, que le leadership, c'est influence. Je ne parle pas du leadership naturel. Influencer les gens de telle manière, influencer une nation, une région, influencer de telle manière que même après votre mort là, votre influence demeure. Fonaman bumbu tasi tontonen neba région village tentole bayama oki vous qui êtes tenant à zarliman et autres auto. D'autres, un autre terme de synonyme de régner, c'est par exemple on brille. Dans un domaine, nous brillons plus que tous ceux qui sont là, plus que tous les candidats, plus que tous ceux qui sont autour de nous. Nous brillons plus que tout le monde. Ton yaradame, un mille, un mant, il y a seulement il n'est pas fin, guillem, un bord, moi, il y a un net, on a man, tout, il y a un net, on a pas. Non, pas parce que nous avons appris ça. Pas de ton septembre, mais non, par pure grâce. Il y a un logo, on a un balcaï. Par pure grâce. Nous-mêmes, on est étonnés. Et ceux qui nous connaissent sont étonnés de voir que nous brillons. Autre chose. Quand la Bible dit vous serez la tête et non la queue, là, il parle de la grâce. Il ne parle pas d'élévation au hasard. Quand vous serez la tête et non la queue. Là, il parle de grâce. Vous avez dit, c'est vrai, il y a des jours. Donc, vous devenez la tête. Mais quand on s'assoit, on regarde, mais sur quoi il s'est basé? La base, c'est que sur quoi cet homme ou cette femme s'est-il basé ou bien qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit la tête? Ouais bien. La tête. C'est toujours comme nous sommes dans le dernier dimanche. Je te résume ça pour comprendre que c'était tout ça la grâce. Tout ce qu'on dit, on va faire comme ça, on va faire comme ça là. Tant qu'il n'y a pas la grâce là, ça ne marchera pas. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Il y a un homme qui dit que il faut. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont
on a la difficulté d'accepter d'être la tête. Il cite ça comme des versets, des slogans. Nous serons la tête. Quand le pasteur dit, vous serez la tête. Alléluia. Mais ils ne savent pas comment. Parce qu'ils ne connaissent pas la grâce. Ils ne connaissent pas la sagesse. Ils ne savent pas comment communier avec le Saint-Esprit pour percer. Abtour de l'Ossouir Kouaira, la Pamibna Mantoto. C'est pourquoi nous sommes restés en 2021 sur ça. Parce qu'en 2022, tu vas comprendre maintenant pourquoi j'insiste. J'ai insisté sur la croissance, la sagesse, tout ça là. Parce que toi, tu ne sais pas où moi, Dieu m'amène. Je suis en avant sur vous. Il y a quand il y a des expansions gracieuses, 10 ans. Au-dessus de vous. Comment quelqu'un va s'asseoir en 2020, dire que nous sommes dans la décennie de l'expansion gracieuse, s'il ne sait pas où il va. S'il ne sait pas où il va. C'est ça. Ce n'est pas des slogans que j'ai lancé comme ça. Non. Donc tu vois. Il faut pas là. C'est aussi régner là. Il y a plusieurs synonymes. C'est-à-dire que quand on dit régner, la... Écoutez-moi, dans un pays, est-ce qu'il peut y avoir deux rois? Quel hein? Ah bon, ok. Vous comprenez quelque chose. Dans un pays de 40 millions d'habitants, il y a un seul roi. C'est lui qui règne. Oui ou non? C'est lui. Tu commences à comprendre le mot règne. Tout le monde peut régner comme lui. Hein? Il est au-dessus de quoi, de qui? Tout le monde. Des gens intelligents, des gens savants, c'est lui qui est quoi? C'est lui qui est le roi. C'est que tu comprennes. Il est au-dessus de la mêlée. Il règne. Quand il parle, on obéit. Donne la direction. C'est ça que Jésus dit. Que nous devons donner, nous devons régner dans cette vie-là. Là où nous sommes, nous donnons la direction. Les gens nous suivent. Nous influençons, les gens nous suivent. Les gens viennent se référer à nous. Ils savent que nous allons dans la bonne direction. Ils se référent à nous. C'est ça le mot rayé. Je prends toujours dans le naturel que vous comprenez. Prenons les enseignants. Un chrétien enseignant qui règne, c'est un chrétien où tous les parents ont envie d'aller lui confier leurs enfants. Christian, c'est un calsam de Tnam, il y a Nebnismi, il y a fondateur de l'école de la communauté qui est enseignant. Non. Il est enseignant. Il y a calsam. Si on dit que c'est un enseignant qui règne, il y a calsam de Tnam. C'est un enseignant spécial. Il y a calsam, il y a tout dans la pondataba. Pas spécial de temps en temps, hein, mais de façon permanente. La porte de table, tu n'y a pas de table. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit l'année scolaire, les gens se plaignent, bon, ça ne va pas, on a fait 6 mois de cours, lui il est là, il sait qu'il aura un résultat, il sait qu'il aura un résultat. Et tous les parents veulent lui confier les enfants. Tu n'auras pas faire d'appliquer comment tu rembobes là. Ça, c'est un enseignant qui règne dans le domaine de l'enseignement. Car ça me dit un nom, car on a ouéngé. Comprenez? Nous n'avons cela. Parce que il est inspiré. Il sait communiquer. Quand il prend les enfants là, il a une pédagogie spécifique. C'est-à-dire qu'il y a la pédagogie de l'enseignement qu'on donne, que les inspecteurs donnent, que les conseillers pédagogiques donnent. Mais lui,
quand il communique avec les enfants, et sa manière d'enseigner est au-dessus de ce qu'il a appris avec les conseillers, les inspecteurs. Et inspecteur de la c'est la même chose avec les médecins. Les médecins, tous, ils savent tous prescrire, ils ont leur ordonnancier, ils savent. Non. Vous avez tant. Mais toi, tu vois, le médecin qui règne là, quand tu vois, il dit, monsieur, asseyez-vous. Lorsque nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Que puis-je faire pour vous? L'ordonnancier est loin. Il n'a pas son bic à main avec l'ordonnancier à côté. Dès qu'il entend que tu as vomi trois fois, il dit bon, ok. Tenez, ou pas t'acheter. Ce n'est pas un médecin qui règne. Moi, je ne parle pas chez lui. Pourquoi je ne parle pas chez lui? Tous les médecins ne me soignent pas. Hein. Quand il regarde le visage là, il a appris par cœur. Pour réussir là, il a appris par cœur. On avait en seconde, on avait un gars comme ça. Quand on est passé de la troisième en seconde là, troisième, il est tombé, toutes les matières ont changé. À lui, c'est, les séries modernes là sont venues brusquement. C'est lycée, mathématiques et tout. C'est lui qui a envoyé au Burkina. Ton signe au Burkina Kawa. On parle des matrices, théorie des ensembles. Là, on vient de quitter les triangles, les choses isocèles. Triangle isocèle, pour moi, nananda. Ça qu'on a eu au BPC. Il est là, BPC. Deux triangles semblables. Triangle libre, on vient brusquement dire théorie des ensembles, théorie les matrices. Il dit, il est là, il est là, il est là, il est là. Ça, c'était un problème. Il y a des idées là. Nos premiers du premier cycle sont devenus les derniers. Ton pipi là, mon premier cycle, même les papous, on est les parce qu'ils apprenaient pas la tête. Ils apprenaient pas la tête. Et il y a un d'entre eux. Je me rappelle encore notre professeur de géographie. La géographie, c'était les roches. Géographie, on est à roche en main. Ça ressemble à la science. C'est pas science. Mon ami. Quand on a donné ça à la composition. Pourquoi la composition? Premier trimestre. Je me rappelle encore notre professeur était M. Balima. Ton professeur était M. Balima. Hein? Il a donné les feuilles là. À quoi c'est va de ton dieu? Il se promenait, il regardait. La guide de l'ingé ton tout ce qu'il a appris par cœur là. Nous avons des yeux fans. On commence à écrire sur moi. Si on met un goulot, on va la voir. Il y a un là. Moi je l'ai regardé quoi. M'da gâte là-bas quoi. Parfois, tu sais, parfois j'aime provoquer les gens. Ok, il y a une dame là, bon, elle est en ville. Elle ne peut pas prendre une feuille, deux feuilles. Moi, elle dit c'est faux. Ahmed, il y a Zuri. Il y a Zuri. Le professeur, mais pourquoi? Je dis c'est faux. Professeur, il y a Zuri. Cette affaire-là n'a pas besoin de feuilles intercalaires. Il n'y a pas de feuilles intercalaires. Ça m'énerve. Quand quelqu'un n'est pas intelligent, moi, ça m'énerve. Il y a un bâtard de la main, il y a un bâtard de la main. Il y a un bâtard de la main. Il y a un bâtard. Non, je n'ai pas pu me tenir. Je dis c'est faux. Il y a un bâtard de la main. Quelle feuille intercalaire ici là? On fait une démonstration et puis on conclut donc toi tu la regarde et rempli. Et l'autre camarade là, lui il était assis, il a commencé à remplir. Puis à un moment donné il était bloqué. Ce qu'il a appris là, le mot là est parti. Il s'est assis, hein? Moi je le regardais maintenant. Il s'est assis, il tire ça, son menton, il fait comme ça, il serre les dents. Il ne savait pas que le professeur M. Balima aussi le regardait. Et M. Balima a dit, bon, il y a des gens qui auront 19 sur 20, mais vraiment, ils n'iront pas loin. Plus il a parlé comme ça. J'ai dit, c'est ça. Effectivement, quand il y a eu les résultats là, M. Balima, quand il a fait comme ça, donc il a repris la leçon là par cœur dans sa tête. Il a résisté comme ça. Il a résisté. Quand le mot est venu, Monsieur Balima lui a donné 19 sur 20. Mais nous on est parti en première le laisser en seconde là-bas. Première, mais attaquer n'est pas seconde.
Ce sont des gens qui ne règnent pas. Il y a des gens qui ont appris la médecine comme ça. La mémoire. Il y a Poutin là-bas. Tu récites anatomie là comme c'est le petit. Il y a les gens qui ont appris la médecine. Oui. C'est ça. Il y a des gens. Régner dans la médecine. Les noms l'octobre ne pourra. Tous les malades. Ce chirurgien là, tout le monde veut aller le voir. Nous verrons là, il va pas y avoir de mal. Ne va pas être gagné. C'est ça. Y a rien qui. Plusieurs domaines. Ne me pour quatre cas. Vous êtes devenu chrétien. Si vous êtes médecin là, si vous n'êtes pas un médecin qui règne là, c'est pas normal. Pas ZMC, pas CRD. Ah, je ne suis pas d'accord avec ça. Ma main pour nous pas ça que non. Un médecin normal. L'autre, il y a l'autre main. Hein. Chrétien. Il y a chrétien là. Non, non, non. Aïe, aïe. Je refuse. Tu as l'ordre. Ah, je refuse ça. Tu as l'ordre. Tu as appris des choses. Faut exemple, ça y est là. Mais la sagesse, l'intelligence, la yam te donne de connaître le corps humain. Quand il faut bang l'isa ligne, il y a. Parce qu'il y a des manifestations de maladies qui sont là. Bah, mais la cause n'est pas ici. La bouning ou des bébé ouais. On a vu plusieurs cas comme ça. Il y a la boule autour. Comme avant, je partais à l'hôpital parce que c'était normal. Ouais, puis la maman était là. Je suis parti trouver un médecin qui était entouré des infirmiers. Tiens, l'autre. Des infirmiers. Et l'autre est bon. Il a dit que c'est telle maladie étant. Les infirmiers ont dit non, non. Docteur. Ça c'est méningite. Quand il y a méningite, il entend. Il dit non. Comme les médecins, il a voulu que. Les infirmiers ont dit ça, c'est méningite. Docteur, il y a méningite. Il a voulu parler, ils ont dit docteur. Docteur. Voilà l'aiguille, on prend. Ils ont levé le dos de l'enfant, ils ont fait pipe. Quand ils sont sortis, le liquide était trouble. Le docteur est sorti. Docteur est dit. Tu t'es méningite? Elle est méningite, toi. Un médecin, il doit demander la sagesse à Dieu tous les jours. Ce n'est pas ordonnancier ni bic, là. Pas ordonnance à Goulis, le bic. C'est de savoir. Il y a Bangya. Je suis un homme qui veut aider les gens à sortir de la souffrance, de la douleur. Oh Seigneur, l'esprit de sagesse est en moi. Tu m'as fait grâce, le Saint-Esprit est là. Révèle-moi la source de la maladie, comment traiter cette maladie-là sans qu'il n'y ait pas trop d'effets négatifs dans le corps de la personne. Plus de 100 000 personnes meurent en France chaque année et aux États-Unis 200 000. J'ai lu tous ces documents-là à cause des mauvais médicaments prescrits par les médecins. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps.